courage, l'homme de pensée, et l'homme qui n'oublie jamais le mot peuple. Peuple. Et république, républicain. Ces deux mots-là que vous aimez beaucoup, monsieur Myard. Vous savez, Churchill un jour avait dit la démocratie c'est emmerdant, c'est pas toujours simple, mais jusqu'à nouvel ordre, on n'a rien trouvé de mieux. Hein? Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, à la limite, comme je dis en souriant, je veux bien être pour la dictature à condition que ce soit moi le dictateur. Mais, il y a un problème. C'est que la dictature, on sait quand ça commence, on sait jamais comment ça finit, et ça se termine, en règle générale, très mal. Donc, la démocratie est parfois faible, la République, parce que la République, c'est la chose publique, c'est res publica, n'est-ce pas? Et même les rois français avaient le sens du bien commun, avaient le sens de la nation, avaient le sens, de pas toujours, mais de protéger le peuple, hein? Voilà. Et donc, la République, pour moi, c'est la, pour la nation, et c'est, je dirais, le lieu commun de notre souveraineté. Parce que, pour qu'il y ait une démocratie, il faut être souverain. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'émettre des votes et d'émettre la souveraineté. C'est le socle de la démocratie. C'est-à-dire que si vous êtes... Vous étiez obligé de suivre les conseils légèrement pressants d'une autre souveraineté, et ben vous êtes vassal. Hein? Et donc, moi, la vassalité, ça ne va pas. Nous ne sommes pas un très grand pays, nous n'avons pas une population équivalente de la Chine ou de l'Inde, voire des États-Unis. Mais je vais vous dire un secret. Ne le répétez surtout pas. D'accord. Il n'y a aucune corrélation entre la taille et la puissance. Hmm. En réalité, il peut, et c'est un petit qui vous parle, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir du moment où vous avez la cohérence interne, vous avez l'union nationale, eh bien vous pouvez, je dirais, faire plier un empire. Ah, et ça, on l'a toujours vu dans l'histoire. Napoléon, il était petit. Voilà, il était petit, certes aussi, mais bon, il faut savoir au passage que Napoléon n'a jamais attaqué le premier. C'est les Anglais. Non, je n'ai pas dit qu'il a attaqué. Napoléon, par contre, moi, monsieur le maire, je vous dis quelque chose. Malgré tous ces problèmes-là qui existent, qui viennent de ces deux mots-là que je vous ai expliqués, qui en donnent des informations qui n'est pas correctes aux gens, au peuple, comme histoire des juifs, comme histoire de complot, comme histoire patati patata, moi, j'aime beaucoup Napoléon, j'adore Jeanne d'Arc, et j'aime beaucoup Alain Delon. Vous voyez, c'est... Voilà, mais vous êtes un Gaulois culturel. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, la culture française, elle existe, contrairement à ce que dit Macron, la faillite, là. La culture française est une culture qui parle aux autres cultures du monde. Elle accueille dans son sein des hommes de l'art, qui sont roumains, qui sont israéliens, qui peuvent être russes, etc. Elle est ouverte sur le monde, mais elle a son propre logiciel. Et cette culture, notamment la littérature française, qui est très riche, hein, concourt, je dirais, à donner un sens politique à la nation. C'est que moi, un jour, il y avait une de mes collègues du ministère des Affaires étrangères qui me dit si j'avais pas été française, j'aurais aimé être anglaise. Et je lui dis, mais une idée aussi ridicule ne m'a jamais traversé l'esprit. Parce que je suis français, parce que j'ai été élevé par une hussarde de la République, et qu'on m'a appris à aimer la France, et que je ressens dans la culture française la force d'exister et de concourir à ce que j'appelle le genre humain. Vous voyez ? C'est que je me sens citoyen du monde parce que je suis français, parce que j'ai une culture française qui est forte et qui parle au monde. Hein ? C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que
il faut les nations, c'est la base même de la démocratie. Et que chaque peuple doit trouver cette liberté dans le socle de la souveraineté. Et puis petit à petit, trouver. Alors bien sûr, nous on a commencé à la Révolution française, mais même avant, il y avait des rois qui avaient ce sens culturel français. Et quand vous aviez un Philippe le Bel qui se laissait pas faire par le pape, eh bien c'est pas pour rien. C'est parce que c'était pas au pape de commander chez nous, hein. Même si à l'époque tous les gens étaient chrétiens catholiques, il n'en demeure pas moins que cette volonté d'existence, cette volonté de, comme le dit Hubert Vidrine, il y a toujours eu en France une volonté de vouloir. Et cette volonté de vouloir, eh bien, elle est assise sur cette culture française ouverte sur le monde, mais avec un logiciel qui lui est propre. Monsieur le maire, vous savez, puisqu'on vient de parler de l'histoire et tout ça, si vous permettez, je vais le coller à quelque chose que vous aimez beaucoup, je sais très très bien. Vous savez, les Gaulois, parce que Charles de Gaulle croyait à ça. Charles de Gaulle, il était en contact avec mon père, et il aimait beaucoup l'Iran. Comme vous savez, Shah d'Iran, il était ici, plus d'un milliard de dollars on a donné à Charles de Gaulle pour le nucléaire, pour beaucoup d'autres choses, pour les centres commerciaux qui existent ici en France et tout ça. Et lui, en 1976, ou 1965, il organise à Paris, à côté de chez moi, je suis au 66 Champs-Élysées, un peu plus loin, vous avez Grand Palais et le Petit Palais. Il a organisé là-bas avec André Malraux, ministre de Culture à l'époque, André Malraux, l'exposition de 7000 ans, en Iran, en Perse. Et à cette époque-là, mon père, il avait envoyé un courrier pour Charles de Gaulle, et il parle, il dit comme ça, il dit « mon compatriote ». À Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, on peut le trouver, vous savez, Gilan. En Iran, il y a plusieurs provinces. À part des provinces anciennes comme Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Afghanistan, qui ne sont plus avec l'Iran, mais s'étend, quand on dit Afghanistan, Tadjikistan, s'étend en Perse, ça veut dire province. Tous ces pays-là, c'était province d'Iran jusqu'à il y a déjà 100, 150 ans, 180 ans. C'était l'Iran. Même il parle iranien actuellement. Tadjikistan, le président, c'est mon ami, il parle mieux que moi, persan. Alors, et le Gaulois, ce sont des émigrés de Gilan, de mer Caspienne d'Iran, vers l'Europe. Quand on dit Indo-Européen, ça veut dire Iran, c'est là. Après, l'Espagne, ça vient de Sepahan. Esfahan. Ça, c'est l'histoire, ce n'est pas de la blague. Le prouve le plus important qu'on peut donner, monsieur le maire, c'est le statut de la liberté, ici, Pont Mirabeau. Et la copie, c'est à New York. Et statut de la liberté, c'est fait à l'image, puisque vous avez parlé de la Révolution française également, c'était fait à l'image de Mitra. Le premier d'Est perse, qui est le nom de Mitterrand, maître, mage, le roi mage, tout ça, ça sort de Mitra. Et le bonnet de Marianne, et tout ça, c'est l'image de Mitra. La Révolution française, on dit que c'était fait par les francs-maçons, c'était fait par les disciples de Mitra, ici à Angers, monsieur le maire, il y a déjà 7 ans. On a découvert une ville souterraine de temples de Mitra et de grottes de Mitra. La même chose, j'ai visité tout ça. Il y en a à Saarbrücken en Allemagne. Il y en a en Allemagne plusieurs temples de Mitra. Parce que, monsieur le maire, dernière chose, je vais finir. Vous savez, même l'agenda européen, calendrier 2000, nous sommes en 2024, jusqu'à l'année 500 et quelques. Après la naissance de Jésus, c'était calendrier persan, ce que je diffuse depuis 40 ans, 7000 ans. Et la nouvelle année, ça commençait avec 21, avec le printemps, 21 mars. Monsieur le maire, on était tellement pressé de remplacer le christianisme à la place du mitraïsme en Europe, qu'ils ont oublié que décembre, qui est 12e mois de l'année,
ça veut dire 10 ans, c'est 10e mois de l'année. Et dans le calendrier de Mitra, c'est 10e. Novembre, c'est 9e mois de l'année, parce que chez les Perses, dans le monde entier, de Tadjikistan jusqu'à Israël, jusqu'à Turquie, Iran, partout, les Perses, partout, vous savez que la moitié du pouvoir en Israël, c'est des Iraniens actuellement, qui soient dans l'armée, dans la politique et tout ça, en Israël. Alors, tout ça, novembre, c'est 9e mois de l'année, mardi 11e, et beaucoup d'autres choses. Et le 21 décembre, le jour de naissance de Mitra, ça existait chez les Perses depuis 7000 ans. C'est-à-dire, ça, nous sommes compatriotes. Voilà. Mais oui, mais je vais vous dire une chose. Premièrement, je pourrais être allé en Iran. Effectivement, la civilisation iranienne, elle ne date pas d'hier matin. Et donc, c'est une très grande culture, etc. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en réalité, la naissance du Christ, le 25 septembre, c'est le solstice d'hiver, le solstice. Et ça appartient au genre humain, à l'humanité. Les équinoxes, c'est la même chose. Voilà. Et donc, c'est parce que les hommes, qui sont intelligents, et j'embrasse toutes les femmes, les hommes ont constaté qu'à partir du solstice d'hiver, on a le retour de la lumière. On a le retour de la lumière. D'ailleurs, paradoxalement... La lumière, c'est le Mitra. C'est Mitra. Oui. Parce que Mitra, son nom, c'est soleil. C'est la lumière. C'est pour ça que même Torah, même évangélique, Moïse ou Jésus, ça commence avec la lumière. Oui, et partout, on parle de la lumière. Mitra, c'est la lumière sous la tête. Et surtout de la liberté aussi, c'est le soleil. En français, Noël, c'est pas Christmas. Noël, c'est No, qui vient du grec, qui est la nouvelle, et El, Helios, bravo, la nouvelle lumière. Bravo. Et vous voyez, donc, tout ça est là. Et donc, ça, ce sont, des éléments structurants de ce qu'est la civilisation telle que vous la connaissez en Iran et telle que nous la connaissons ici. C'est Mésopotamie, monsieur le maire. Même No, que vous venez de dire. C'est vrai que c'était marqué comme quoi grec. Non. Alors n'importe quel Iranien, Tadjik, Afghan, vous dites non, c'est iranien. Aussi. Ah non, parce que vous avez, monsieur le maire, vous le connaissez, vous avez Nowruz, c'est non. C'est-à-dire, beaucoup de choses ont dit grec, mais c'était avant grec chez Mésopotamie. Mais après Alexandre le Grand, qui a ramené la culture d'Avesta, de Mitra, de Mésopotamie, parce que même non, c'est même Mitra, quand on parle de Mitra, pour la plupart des gens, ils pensent que c'est une déesse de grec, de Yunan, en Europe. Mais là, l'ancienneté de Mitra, c'est 7700 ans. Mésopotamie. C'est Mésopotamie, bravo. Exactement. C'est la mère de notre civilisation, et nous en sommes aussi les héritiers. Et je peux vous dire que les Phéniciens, et notamment les Égyptiens aussi, ont participé à tous ces échanges. Voilà. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que Je vais vous faire sourire. Quand les Américains, je dirais, veulent donner des leçons aux Iraniens multiséculaires et ultra-millénaires, ils rigolent, les Iraniens, parce que on en a vu d'autres. Hein, d'autres civilisations remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ, donc on a un peu de place. Et c'est vrai qu'en Iran, on sent bien que même si l'islam chiite, aujourd'hui, est président en Iran, il n'en demeure pas moins que les éléments même de l'ancienne civilisation, à savoir l'eau, le fer et l'air, sont toujours présents. Moi, j'ai été beaucoup frappé de voir combien dans chaque hôtel, quand on arrive, il y a une fontaine. C'est un élément de l'Iran ancestral, n'est-ce pas? Et que s'il y a un clergé dans l'islam chiite, c'est parce qu'il y avait un clergé avant. Maj, le roi Maj. Voilà. Et donc, tout ça est tout à fait logique. Mais ce qui me montre bien que ce soit pour l'Iran, que ce soit pour les Russes, que ce soit pour nous-mêmes,
on existe par nous-mêmes. Nous sommes des nations. Et que ces nations, moi je souhaite qu'elles trouvent toute la démocratie, ce qui n'est pas toujours le cas dans un certain nombre d'États, mais il n'en demeure pas moins que la respublica, qui est la chose publique, doit être ancrée dans le socle de la souveraineté de chaque nation. Voilà. Mon cher David, c'est un grand progrès en avant. Bien sûr. Monsieur le maire, chaque fois qu'on parle avec vous, chaque fois que je vois que vous communiquez, que vous le faites à n'importe quelle occasion, Jacques Miard, il est présent, il donne son avis, et il s'exprime, et on voit le point de vue que vous avez qui est un peu différent avec les autres. Ça, c'est formidable, c'est énorme. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, mais si vous permettez, deux choses qui sont très importantes. Ça, première, c'est l'histoire de BlackRock, que vous connaissez BlackRock. Alors, BlackRock, c'est le groupe, c'est un groupe de... Attends, là, tu me colles. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, monsieur le maire, je vous dis une chose. BlackRock, en arabe, ça veut dire Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, c'est l'endroit que les musulmans, quand ils vont aller à la Mecque... Oui, ça y est. Alors, ça, c'était fondé par l'argent des Saoudiens, par les Américains, puisque toujours... Alors, BlackRock, à côté de George Soros, il gère l'économie mondiale. Puisque ce n'est pas de secret, ou même il dit ça à Davos chaque année, tout ça, ce n'est pas de secret. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez Adidas et vous avez Puma. Les deux, c'est concurrent. L'un c'est républicain, l'autre c'est parti communiste, soi-disant. Mais ici en France, les gens qui sont vos ennemis, ce sont les gens qui sont de parti adversaire de Jacques Miard. Le gars qui est de parti adversaire, il a l'ordre de contester tout ce que vous faites. C'est-à-dire jamais... Non, c'est ça que je veux vous dire. C'est la règle que je veux vous dire, c'est ça. Mais ici, dans le BlackRock, il gère toute l'économie mondiale, qu'il soit Adidas, Puma, qu'il soit beaucoup d'autres choses. L'achat et vente. Il y a un reportage que nous diffusons, c'est fait même par les Américains. Alors vous pouvez taper BlackRock, c'est 1h30, regardez. Regardez, pendant sept ans qu'il y avait la guerre Yémen-Arabie Saoudite, l'armement s'était vendu à tous les deux côtés par BlackRock. C'est BlackRock qui vend. Actuellement, l'argent pour toutes les guerres s'est déplacé par les mêmes maisons de finances. Pour ça, vous avez 100% raison de contester la guerre en Ukraine, puisque même, il ne faut pas oublier, le 26 février, le jour de commencement de la guerre d'Ukraine, tout le monde a oublié ça aussi. C'est Biden qui a annoncé la date. Ce n'est pas Biden, il a annoncé la date, il a dit, moi je crois que c'est le 26 février que la Russie va attaquer l'Ukraine. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est le destin, c'est le projet, ce n'est pas de complot, c'est de projet, il écrit, moi je le sais, vous le savez, les autres ils savent, ce n'est pas le destin aussi, le destin, c'est pas Allah, le Dieu, n'existe pas là, qui écrit, c'est les gens qui écrit. C'est les gens qui écrivent, ils créent les religions pour manipuler les gens. Alors, l'important, c'est, monsieur le maire, parce que tous les ONG, également, l'argent, ça passe par là. C'est ça que je crois et j'aime bien, je sais très très bien que tous les Saint-Esprits vont être contents de dire la vérité aux gens, que destruction... Le but de nouvelle économie mondiale, c'est la destruction et derrière il vient construction. Dans tous les deux cas, c'est les mêmes compagnies internationales qui ont gagné, qui travaillent. Pour destruction, pour construction. Après tout ce qu'on dit, le but, pourquoi on a fait la guerre Saddam Hussein Khomeini, Poutine avec Zelensky, il est drogué, l'autre, tout ça, c'est les branches qui nous éloignent de la vérité et les racines. Jacques Miard, qui est quelqu'un d'exception,
dans les idées, dans les pensées, dans les actes courageux que vous avez fait, que vous faites. Il faut dire la vérité au peuple, que le peuple n'entre pas dans le vague de Hollande, dans le vague de Macron. Moi, j'aime bien Macron, je vous cache pas. Avant qu'il devienne président, on était ensemble, je dis, toi, prochain président de la France. Puisque la jeunesse, on est jeunes, hein, moi et vous, s'il y a des jeunes, ne vous inquiétez pas. Mais, c'était des projets, c'est des projets. C'est ça que je veux dire. Mais pour que les jeunes ne tombent pas dans le vague. Qu'aujourd'hui, il vote Chirac, le lendemain, il dit qu'on a, après un mois, même pas avant 100 jours, contre Chirac. Après un mois, contre Hollande. Après un mois, contre Sarkozy. Même Sarkozy, on va le mettre en prison. Même, et c'est pour que les gens ne tombent pas dans les vagues, il faut les gens comme vous, creusent les racines et donnent la racine aux gens. Mais le problème, c'est que, effectivement, destruction, reconstruction, mais qui paye? Eh bien, ce sont les pauvres gens qui payent derrière à reconstruire. Et c'est là où il y a manipulation. Parce que, effectivement, on voit bien, par exemple, l'Union européenne a voté des crédits pour plusieurs années de 50 milliards d'euros. Les Américains, avec les armes, ont cassé. Et maintenant, c'est les Européens qui vont reconstruire. Non, c'est la société, c'est international, ce n'est pas les Européens, c'est international, l'argent, il va aller à la poche des Américains, comme BlackRock, c'est américain. Qui va financer? C'est les contribuables européens dans leur ensemble. Il ne faut jamais oublier que l'argent, elle ne vient pas du docteur Faust, elle tombe des... C'est ça que je dis, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est les contribuables. Bravo. Donc, les multinationales vont reconstruire, financées par les contribuables pauvres et endettés que nous sommes. Bien sûr. Voilà, mon cher David. Et le peuple, il paye, et quand il travaille, il touche 1500 euros par mois. De l'autre côté, les multinationales, c'est des milliards. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Il faut dire ça au peuple pour ne pas, puisque vous êtes candidat, vous m'avez dit, et surtout que vous étiez même candidat primaire présidentiel. Bravo, c'est très intéressant. Pas pour la présidentielle. Vous étiez dans le. C'était pour m'exprimer. Oui. C'était pas, voilà, c'était un coup pour rien. Mais maintenant, pour la prochaine élection que vous êtes candidat, c'est votre droit, vous devez récupérer votre siège, puisque vous le méritez, vous le méritez, et les gens vous aiment beaucoup, et plusieurs fois j'ai participé à la fête annuelle que vous faites là-bas, c'est énorme, c'est-à-dire c'est très rare. Et alors, et n'oubliez pas que quand on dit plusieurs dizaines d'années, vous êtes maire de Maison de Lafitte, c'est une fierté. Ça aussi, il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui disent oh, il est là. Non, mon père, il était mon père jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, mais le père de. Merci, David. Voilà. Bon, eh bien, merci de m'avoir permis de m'exprimer sur votre chaîne internationale. N'est-ce pas? On était tellement ravis. Je vous embrasse. Je salue tous les internautes et je leur dis le combat continue. Dans la cohérence d'une politique que j'ai toujours menée. Mais on n'a pas pu parler de Hamas-Israël. Hamas-Israël, que vous voulez, là encore, on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça crée, comme vous le savez, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, et ça recommence, c'est la haine, et la haine et la guerre perpétuelle. Il faut trouver une solution politique, là encore. C'est quoi votre solution? Vous proposez, qu'est-ce que vous proposez? Alors, la seule solution qui est mise sur la table actuellement et qui va être très difficile, c'est effectivement la capacité d'avoir deux États et avec une sorte de coopération en dessus sur le plan économique. Parce que les Gazaouis, les Palestiniens sont très intelligents et sont notamment des bons mathématiciens, et les Israéliens sont tout aussi intelligents. Donc au lieu de se faire la guerre en permanence, avec justement, je dirais, les intégrismes et les excès religieux, parce que moi je suis très inquiet aujourd'hui pour Israël. Les ultra-orthodoxes ne sont pas fréquentables.
tout comme les gens de Daesh, vous voyez ce que je veux dire, et les terroristes. Et donc, si on les laisse prendre la main des deux côtés, c'est la guerre à perpétuité. Et donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Et il faut que les Israéliens laïcs et les Gazaouis laïcs, et qui sont, je dirais, qui veulent vivre dans leur terre, prennent le dessus sur les extrémistes. Eh bien, c'est un sacré programme. Mais c'est pas réalisé demain matin. Hein. Monsieur le maire, vous savez, une chose que je veux vous dire, c'est la vérité. Déjà, le problème des Palestiniens, c'est chez eux. Ce n'est pas en Israël. Ils ne sont pas unis. C'est 250 partis politiques pour 2 millions de personnes. Et deuxièmement, comme vous dites, à Gaza, gouvernement laïque, des gens laïques, je suis désolé. Je suis désolé, dans le désert d'Arabie Saoudite, quand on voulait traverser le désert, l'homme et femme, ils couvraient la tête avec le chéfier ou avec le voile. D'accord? Actuellement, à Paris, à Londres, à Gaza, en Iran, les femmes qui mettent ça sous leur tête, et ils ne savent pas pourquoi. Ces gens-là, ils sont en majorité en Gaza. À Gaza, monsieur le maire, ça faisait des années que c'est Hamas qui gouvernait et qui gouverne. Alors il n'y a pas de laïque, laïcité, ils ne savent pas. Ils sont intégristes. Pardon, quand je dis intégriste, pardon, excuse-moi, je vous dis, monsieur le maire, l'individu qui met le truc de désert, qui ne sert pas dans le soleil des villes civilisées, qui n'a pas de désert, qui ne va pas monter sur le chameau, qui met ça sur la tête, et il ne sait pas. Il ne sait pas que ce n'est pas laïque. Non, mais tu as raison. Mais cela étant, qu'on le veuille ou non, il faut que les peuples de chaque côté ne suivent plus les extrémistes des deux camps. C'est ça le problème. Mais quand ils ont faim, ils ont l'argent, ils deviennent par des millions et des milliards. Et monsieur le maire, imaginez-vous très très bien que Gaza, c'était à la main de Hamas. Ils ont commencé à tuer leur frère de Mahmoud Abbas. Oui. Mahmoud Abbas aussi, c'est un voleur. Regardez combien d'argent Yasser Arafat il a laissé sur le compte à l'étranger. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout à fait exact. Mais je n'aurais pas la cruauté de rappeler que le Hamas a été créé par des services secrets occidentaux pour contrer Abu Hamas. Non. Et c'est aussi ça, Arafat à l'époque. Et donc, il est clair qu'il y en a qui ont joué un peu aux apprentis sorciers, un peu comme les Américains quand ils ont financé Ben Laden en Afghanistan. Donc il y a un moment, il faut aussi remettre les pendules à l'heure. C'est le projet, monsieur le maire, qui a été fait, même madame Clinton l'a dit, c'est-à-dire, à nous, il dit, ah, c'est ton erreur. C'est le projet pour destruction, construction, destruction, reconstruction. Monsieur le maire, et une question dernière. Pourquoi vous ne vous envisagez pas, avec un groupe parlementaire, aller rencontrer Benjamin Netanyahu? Écoutez, je vais vous dire une chose. Un, je ne suis plus député aujourd'hui. Deux, un certain nombre de députés français sont allés voir Netanyahou, etc. Donc, ça, c'est déjà fait. Le problème... Non, vous êtes député d'honneur. Vous êtes une personne sage parmi les sages français, respectables. Vous rassemblez une dizaine, une quinzaine de... Mais il va vous accepter, hein. Je vous dis tout de suite que si vous serez une équipe d'aller le voir, il va vous accepter. Pourquoi vous ne faites pas ça? Je vais vous dire une chose. Vous savez, le chemin est long. Et le chemin de Damas est toujours très long. Donc, Damas ou Tel Aviv? Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont des chemins longs. Donc il faut avoir une politique cohérente, continuer à passer les idées que nous passons, mais je sais très bien que ça ne va pas être si facile parce qu'aujourd'hui, des deux côtés, ce sont les ultras qui gouvernent. Et donc il faut retrouver des gens responsables et raisonnables qui comprennent que la guerre n'est pas la solution, elle ne fait que préparer la prochaine guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Alors monsieur le maire, vous savez, Pierre Marion, il m'a dit, de temps en temps, Moussad, quand il voulait dire quelque chose à Premier ministre, il venait me voir ici, il disait à Mitterrand, envoie Pierre Marion de dire ça. Maintenant, moi, je crois que si vous,
avec une équipe, vous allez là-bas dire certaines choses à Benjamin Netanyahu, il vaut mieux écouter que les manifestations à Tel Aviv. Ah, je ne sais pas si vous avez raison, mais on peut toujours l'espérer. Voilà. Merci, David. Merci, Jacques Miard. Je vous embrasse, à très bientôt. Et moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, mes chers amis, c'était M. Jacques Miard, ancien député, maire, était avec nous en direct. Voilà, je le remercie beaucoup. Et vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, mes chers amis. Maintenant, si vous avez des choses à nous dire, pourquoi pas, on va vous le prendre avec grand plaisir.